paix. Ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la mission universelle, évangélisation des peuples. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 dans notre cathédrale. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour commencer notre célébration eucharistique. Oh,
Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés dans la joie dans cette cathédrale pour célébrer l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Zambe oboka si bon son ayoke la biso mawa alibisa masuma biso akamba biso obomo ibalo biko. Limbisa masumu mabiso sika biso bonson na esengo mitema toyembela e na nzembo ya kembo gloria. Oh.
Nzambe waboka si bon sans peu alobiko. Salisa biso, tomi pesa na yo tango inso. To sale la yo, kumu wabiso, namote mamoko. Toko bonde la bongo. Bolingo bana banzambe boboto Saint Michel Magnificat Abeille au pied les roses le Christ Samuel Yomboté partout où Elisa, il est vivant, il est ressuscité. Qui Azolokumu. Sikawa Nzambe akomi kolisa biso na maloba maye. Première lecture. Qu'il s'embosse sur la montagne les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Lecture du livre d'Isaïe au chapitre 52. Les versets 7 à 10. Toyoka. Et Sengo Penza, Yakomono Toma, Aouti, et Payangomba, Yemoto, Akoya, Nasango, et Lamu, Yaboboto, Akoyebisa, Telibiki, Likomi, Penepene, Akoloba, Nabatoba, Sion, Nzambe wabino azali mokonzi. Boyoka bakengeli bamboka batomboli mongongo. Bonson lisanga bagangi na sai. Nzambi bamoni na miso mabango moko. Te mokonzi nzambe azali kozonga osion. Bino mabanga ma Yerusalem bobebaki. Bonson elongo. Bo sepela pe bo ganga na sai. Nzambi nzambe abondi ekolo ya ye. Asikoli Yerusalem. Omiso mabato. Ba bikolo bisan biase. Mokonzita bo santu alakisi bo kasi bwa loboko la ye. Bato bansan. Ba mikili mosika ba moni. Ndenge nini nzambe wabino. Akopesaka libiki. Bandeko, liloba lya nzambe wana.
Par toute la terre s'en va leur messager. Ensemble avec la chorale, méditons cette première lecture par le psaume 18. J'encourage à faire des prières pour tous les hommes, à Dieu qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 8. Écoutons. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la tranquillité, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ses témoignages
pour lequel j'ai reçu la charge du messager de l'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes m'ont pris en levant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui était et qui vient. Alléluia. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour écouter et acclamer la bonne nouvelle du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est au chapitre 28. Du verset 16 au verset 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu.
Chrétien de Gomboma, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Chrétien de la cathédrale Saint-Pédis de Gomboma, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui l'Église universelle célèbre le dimanche de la mission, décrété par le Saint-Siège le 1er avril 1926 et fixé au troisième dimanche d'octobre de chaque année. Du latin missio, qui veut dire action d'envoyer. Le terme mission fait référence à l'annonce de l'Évangile. Cette mission est basée sur la grande commission des disciples du Christ dans Matthieu 28, 16 à 20, que nous venons d'écouter. Dans cet Évangile, le Christ fait de nous les mandataires de cette bonne nouvelle. En effet, le christianisme est une foi missionnaire. Le christianisme est une foi missionnaire. La mission que Jésus nous a léguée est de faire des disciples. Le chrétien est appelé à gagner des âmes pour le Christ. La mission que le Christ nous a donnée, c'est de faire les disciples. La mission du chrétien, c'est de gagner les âmes pour le Christ. Et je l'ai toujours dit ici, nous sommes des Christophères, ceux-là qui apportent le Christ au monde, ceux-là qui donnent le Christ aux autres. Et comme chrétiens, nous sommes appelés à gagner les âmes pour le Christ. Il s'agit de faire de sa vie l'Évangile, la bonne nouvelle qui témoigne du Christ. Il s'agit de faire de ta vie, de ma vie, la bonne nouvelle. Il s'agit de faire de notre vie l'Évangile, puisque l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Il s'agit pour nous de témoigner, être les chrétiens et des bons chrétiens. Faire de sa vie la bonne nouvelle du salut, c'est rendre le Christ présent au milieu des gens, c'est-à-dire être le signe vivant de la présence de Dieu dans le monde. Le chrétien doit être le signe vivant de la présence de Dieu dans le monde. Faire des autres disciples de Jésus doit être la préoccupation de tout chrétien. Notre préoccupation pour nous les chrétiens, c'est de faire que tous soient les disciples de Jésus. Faire à ce que tous soient les disciples de Jésus. C'est cela la mission. C'est la mission qui nous incombe. Alors si aujourd'hui nous célébrons la mission, nous pensons aux missionnaires qui nous ont apporté la bonne nouvelle, le père Afmos, qui a célébré sa première messe ici dans la cathédrale en 1956. Et il y a d'autres pères qui sont arrivés, qui nous ont apporté la bonne nouvelle. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ponabiso, Bakristo ya Gomboma. Ponabiso, Bakristo ya cathédrale.
les lectures que nous venons d'écouter, quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Je pense que les leçons sont nombreuses, mais c'est plutôt les défis que nous sommes appelés à relever. Et sengeli pona biso to zala bandengene ke ya solo. Et sengeli pona biso to zala baye oyo bako sange la sango elamu. Sango elamu ya mokondi na biso Yesu Christo. Mais pona biso ba Christu ya catholique ya cathédrale. Ko sange la sango elamu ezali koloba nini? On peut regarder autour de nous. Total Andengenini, notre cathédrale est notre église. Il y a des bancs vides. Alors que il y a beaucoup de chrétiens catholiques. Tomitu nabato e nabake wapi. Et notre devoir à nous, yabiso ototikali. Et sengeli to kende pona ko sangela sango elam. To sala à ce que ba oyo ba kendaki ba zonga. Et donc le défi, c'est de remplir cette cathédrale. Le défi, c'est de remplir les bancs. Et ce n'est pas seulement le défi du prêtre, mais c'est le défi de tout un chrétien. Oyo ba lobimo Christ au catholique. Oyo ba lobimo Christ oya sambelaka. Na Saint-Pidis ya Gamboma. C'est notre mission à tous. Et pour faire à ce que ba oyo ba kenaki ba zonga, cela se passe par le témoignage de vie. Par le témoignage authentique et crédible. Babisika oto utaka. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Est-ce que ceux qui ont sosoli bomo iboyo, ceux qui ont talindengenini, au kambaka bomo iboyo, tu es sûr que tu peux attirer les autres? Est-ce que na etamboli ayo okoki ko benda baninga? C'est cela. C'est un défi à relever. Un défi à relever. L'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement okende na, je sais pas, au marché, okende, je sais pas wapi, au du Bible, au ti, na sama peka, après au komo loba. Non! La première bonne nouvelle commence par les actes bons. Saint Paul le dit. Nous devons avoir une conscience bonne. Une conscience bonne. Yo makanisina yo ezalinin. Okanisaka kama b. Mais ceux qui okanisaka kama b, makambope eko bongate. En tant que chrétien de la cathédrale Saint-Pidis de Gamboma, qu'est-ce que tu fais au salakanini pour relever les défis? En tant que chrétien de Saint-Pidis de Gamboma, quel effort au salaka pour attirer les autres, pour attirer les autres. Ça, c'est le premier défi à relever. Nous sommes appelés à remplir cette église. Baban Oyo et Sengeli et Tonama. Et c'est la mission de tout un chacun de nous. Cette mission passe par le témoignage de vie. Le deuxième défi à relever, totala mangomba nabiso, ndengenini ezali ko pata pata, ndengenini ezali ko tambola. L'année passée, les mouvements n'ont pas marché. Et est-ce que cette année, ça sera la même chose? Yo ezali légionnaire. Yo zali ricien ou ricienne,
Yozali Micholet ou Micholine. Yozali enfant de cœur, Yamboté, Elisa, lecteur, choriste. Que vas-tu faire pour relever ton mouvement d'apostolat? Okosalanine pour que mouvement nayo ekena liboso. Que vas-tu faire? Yo kanisi, ceux qui m'ont dit, yo bosala kaba réunion, ozote kanazando, au lieu oyaka, ozote kanonazando. Toi, tu penses que c'est de cette manière-là que tu vas relever ton mouvement d'apostolat? Nos préoccupations sont ailleurs. Ce qui nous préoccupe, ce sont nos propres intérêts. Moi, je l'ai toujours dit ici. Et Sengeli, intérêt à Nzambe et Zanaliboso. Ce qui a intérêt à Nzambe et Zanaliboso, tokomona que ma kamonabiso pe yoko simba. Mais ce qui toti ba intérêt à Nzambe na sima, nous serons toujours là à déranger les prêtres. Mombongo nanga ezo simbate, bana nanga bazo salaboye, ezo simbate, ezo simbate, ezo simbate. Parce que Dieu n'est pas le centre de ta vie. Le centre de ta vie, c'est ton ventre, comme le dit Saint Paul. Le centre de ta vie, ce sont tes intérêts à toi. Alors, chrétien de Gomboma, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Le défi à relever, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Nous constatons que les chrétiens de la cathédrale sont paresseux spirituellement. Alors nous allons prier que Elie Mosson, toi qui t'es l'abisso, pour qu'il réveille en nous, réveille en nous. Les pulsions de la spiritualité, le goût de Dieu. Nous dormons, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. La paresse spirituelle. Tozo lala. Nous dormons. Alors, nous sommes appelés à prendre des résolutions. Aujourd'hui, nous ouvrons notre année pastorale, les activités pastorales de l'année 2024-2025. Toi, chrétien de Gomboma, toi, chrétien de la paroisse cathédrale, aux autres doigts, quelle résolution pour relever ta paroisse? Est-ce que tu vas encore briller dans la paresse spirituelle? On doit se poser des questions. Yozali choriste. Awato moni ndengenini. Ba choriste, ba lati malam. Ba zongenga. C'est bien. C'est bien. Mais il faut garder cette flamme-là. Donc, comme on a dimanche, monsieur Swana Bayimbi, après, et comme, quitte à eux. Alors que là, vous êtes, vous chantez avec engouement, c'est bien. Gardez cette flamme-là. La flamme que nous avons reçue depuis notre baptême. Et ça n'a pas été, monsieur Swessi, et Koufa. Alors que le Seigneur aujourd'hui nous interpelle, chrétien de la paroisse cathédrale Saint-Pédis de Gomboma, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Le défi à relever pour les choristes, c'est de garder cette flamme, c'est de garder les enfants qui sont arrivés, c'est de bien chanter. Sainte Cécile disait,
chanter ces prières deux fois. Rappelez-vous, Paul et Silas. Nzambe abikisaki bango. Naloyembo kaka, naloyembo. Ils ont glorifié Dieu, ils ont chanté pour le Seigneur. Et bachene sali nini? Bachene salaki nini? Ah. Et vous les choristes, vous donnez Dieu aux autres par le chant. Soit que bozo yemba malamu, batope ba kosambe la malamu. Et vous allez attirer les gens. Le chant. Nous sommes tous les disciples du Christ. Le Christ nous envoie en mission. Et chacun de nous doit être missionnaire. Nabisika oto utaka. Ezanabandako. Yo mama. Et Seigneur, vous êtes missionnaire pour nous balina yo. Vous êtes missionnaire pour nous bana. Yo papa. Et Seigneur, vous êtes missionnaire. Nabisika oto salaka. Nabisika oto tekaka. On doit transpirer la bonne nouvelle. Transpirer la bonne nouvelle. Nous avons un autre. Et donc, c'est un peu sango elamu et salaboy. Nous avons un. La bonne nouvelle doit sortir. Ceux qui ont dit que le moto oyo azali mo Christo ya solo. Je me pose des questions. Est-ce que le Christo ya solo azali kaka? Je pense que ceux qui basali scanner ya motona moto awa, je pense que mon Christ soit solo na yebite ceux qui Jésus Christ a rejoyé et zalanga isango. C'est un défi à relever. Nous sommes appelés à être des bons chrétiens. Les bons chrétiens, ceux-là qui donnent Dieu aux autres. Chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience de cela. Conscience de la mission que nous avons reçue en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à témoigner du Christ dans notre vie de tous les jours. Lokuta et Tongakambo Kate. Ceux qui osali moto Lokuta, osali missionnaire T. Ceux qui ont zali moto makelele, ont zali missionnaire te. Yonda konayo osalanda kuya makelele. Mobile la koko fanda te. Ceux qui a fandi kawana makelele si eleki. Yope papa. Nous sommes appelés à être les missionnaires. Et Sengeli to kota onte yamite ma miabiso. To soso la malam. Est-ce qu'il y a solo? Nazali mo Christo ya solo. Le Seigneur te choisit. T'avais déjà choisi depuis le sein de ta mère, comme le dit le prophète Jérémie. Et tango kouli baptismo, tu es devenu chrétien. Alors, que fais-tu de tes engagements baptismaux? Alors, pour les chrétiens, pour nous les chrétiens catholiques de la cathédrale, Toyo qui va défi, relever notre paroisse. Et Sengele Mwinda Engenga. Mwinda Ekongenga na Katia lo Sambo. Mwinda Ekongenga, ceux qui t'ont tiki biubibe. Lokuta, Makambwa Kilikili. Chrétien de Gomboma, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Amen.
Pabongo bana banzambe boboto. Nile ya Kristo. Awa nzambe autole sabiso omonoko mwanganga nzambe. Sika wabiso bonso katia mitema myabiso. To sambe la pote to manyula mwa malubama na katia mitema myabiso. Amen. Sika wabiso banso toko telema pote to sakula boyambi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Kondi Yesu pe basale la nzambe na motema esingo to sambela zombi. Bato ba so mandimi ko sangela bato sangwela mu na piko bala kisa bato basusu nzela ya libiki pasito minyoko bile bisa bangote to sambela biso awa Kristo abiangi bango pe omosala mwa eklesia motema moko na banganga nzambe basalela Kristo to sambela Amen.
bali na bilenge basi. Baike ote ya bango, batika biso, ba poya kosangela sango elamu ya Kristo. Baninga balengisa bango, banjima mosala mona na piko, to sambela. Te yeyu kosangana na Kristo awa. Tozala ba Kristo ndambo ndambo te. Kasi na motema monso tosangela. Baninga sangwela mu ya Kristo. Tosambela. Sambela lususu mokonzi. Nzambe, yo mobateli wa biso, yo bokasi wa biso. Lo sambo la eklesia lo uchina yo ondi malango. Monson to sengi yo, opesa biso mango. Nzambi la Kristu mokonzi wa biso. Ba. Boto ni la Christo. Tokomi o leko ya mabonza. Bana banzambe boboto. Balobaki na biso te bo Christo nyonso esengeli amema libonza. Yangwana sikawa tokomi ondembe ya mabunza kora nzembo.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Mokonji azala na bino. Tombola bitema epai ya Nzambe. Tondo mokonji Nzambe wa biso. Bongi se bongo, Toton do yo botonti, Mikolo miso, Pebi si kabiso, Wana mosala mo abiso, Peli bikili abiso. Sans peu à l'opico, et bon guit au ton de yo, pour y a Christou, mon conti wa biso. Yeah.
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Santissa ma bonzamaye, elimo santu ekite la mango, ma kome la biso, nzoto na makila, ma mokonjo abiso, Jésus Christo. Mokolo bakanga kiye, ami pesipe anjimi koyo kapase, hakamate lepa, atondiyo, habuki liango, apese baye kole baye alobe. Kamatane, boli ayango bino bonso, ezalinzo toyanga, nako kabayango po yabeno. Esili se bambo koleya, akamati penkeni, atondi ole soso, apese baye kole baye alobe. Kamatane, bombele yango bino bonso, ezalinkeni amakila manga, makila mabonde ko boase kape boase ko. Ma koso palampo ya beno, pepo ya bato bonso. Natinate, bozwa bole bese bwa masomo. Bosa la kaboye, mpo ya kokani sanga. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque urbain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts spécialement et tienne note les âmes du purgatoire les plus délaissées, Kassongo Damien, tous les défunts de notre paroisse, de notre diocèse, les défunts de nos familles respectives, les enfants avortés, les morts-nés,
accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, sur cette assemblée priante, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Oh,
Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Sotoya yo me, me la
O sima kokula nzoto pe makila ma Kristo kati ya mitema biso to sambela. Amen. Bokende kokomisa bato ba mikolo biso bayekuli bangai. Baboningo bana ba Nzambe boboto. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est qui? Je. Qui? Ma boko pana Yesu. Ya solo Nzambe azali kati na biso awa bafongoli ane pastoral donc singeli na mangumba nyoso babanda misala ya bango abeya na uyokate abeya opie le rose Saint-Michel Magnificat! Magnificat! Yamboté! Partout! Où? Elisa! Samuel! Le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Et Sengo et Sengoté. Ya solo soki Sengo ezali sika na biso bonso. Tokote le mapote to zone sans ambe matondo. Et Sengeli to bosa na mabonza te. Balobaki moto na moto biso bonso. To bonzela Nzambe mabonza. Bana ba Nzambe to telema pote to zongisa matondo epai ya Nzambe na mayi awuti kosala okati ya bomoi bwayo. Thank you.
ressuscité. Qui est parmi nous? Qui? Dieu. Qui? Ma bonne compagnie. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Bofanda Mamouké. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Et Sengoto et Sengoté. Et Sengoto et Sengoté. C'est très bien. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes appelés à maintenir cette flamme, cette lumière. Ekoufaté. Hein, c'est d'abord ça. Les annonces paroissiales. Dimanche prochain, Tokozala Nabami Sami Balé. Mokon à 7h, Mosusu à 9h. Inscription pour le catéchisme. Ponabana Tobatwa Mikolo. Surtout dans l'Obaki, Bana Oyo Bazali, dans le mouvement d'apostolat. Et Sengeli Basala catéchisme. Désormais, nous aurons Tintsani tous les deuxièmes dimanches du mois. Tous les deuxièmes dimanches du mois. Tokozala nan Tintsani. C'est pour les travaux de notre paroisse. Toibi que Papa Nabiso épiscope a Koufelaki Papa. Donc, programme ici et bimi, l'enterrement, et Kozala Mokolo, il y a samedi. Samedi, na Ongoni. Donc, quand il y a jeudi, na Tongo, Bakosa la Missa, na Saint-Jean-Baptiste. Après, na 7, na 3 heures, il y a vendredi, quand il y a Kozala, pour que il y a ka awa. Yaka na Ongoni. Donc, nous sommes invités à participer. Les Alikaka, Ongoni, les Alikaka. On va voir comment est-ce qu'on va faire pour que Christo, quelque Christo, va kende. Panier du prêtre, le dimanche prochain, tous les chrétiens. Merci, Naba Oyo Bapesi. En tout cas, Nzambe Apambolabino. Alors, le kolabomoni, koral nabiso, et zongi koral asika. Ba yembi ki toko, ba lati peki toko. Alors, tout pète la bama maboko. Bomoni pe na katia koral, ba na ba koti, ba Elisa, ba yambote, ba enfant de cœur. Hein? C'est pour renforcer la chorale. Et donc, et Sengeli Boyaka. Ne faites pas seulement des critiques, mais venez. Ceux qui ont Yemba, tu as le talent de chanter, entre dans la chorale et chante, glorifie ton Dieu à travers le chant dans la chorale. Donc, alors pour cela, Tosalaki Bureau, dimanche passé, Tosalaki Bureau, il y a chorale. Et bureau ENA, et que ça là, pendant une année, donc ceux qui vont s'aller bien, on peut maintenir le bureau. Et donc, Nako Bianga Awa, Bakombo, Yabato Oyo, Baponi. Alors, président Ezali Sango Yemoko. Président Ezali Sango Yemoko.
vice-président, Monsieur Destin Rouka. Secrétaire général, Madame Ignée Sandrine. Chargé de la discipline, Monsieur Apou Clément. Directeur technique, Bali Bangomi Balé, Yasséphorien Nadorfa. Administrateur des biens, Balipé Bangomi Balé, Monsieur John Peter Osibi et Ingoli Junior. Alors, moto oyo asimba kambongo, oyo asimba kambongo, parce que mbongo, ah mbongo. Donc, faut. Donc, Toponi, moto ya bien. Madame Letolo Rachel. Alors, la chorale, vous regardez ici. Voilà. La chorale va chanter « Esprit de Dieu repose sur moi. » Alors, toko sambe la pona bango pour que bakamba baninga na boboto dans la paix, dans la joie, hein? Pour que chorale ezala esika oyo bato bazana esengo, hein? C'est ça. Nous allons prier pour eux. Merci. Alors, nous disons aussi grand merci. Bazo mona que bazo filmer tout ça et donc ezali archidiocèse YouTube. Archidiocèse de Brazzaville.
Hein, donc, bazane internet. Donc, ceux qui vont coucher internet, vous cliquez vos lobbies, recherche archidiocèse YouTube. Donc, on a mis ça Oyo et Zali ko Lekana. En tout cas, c'est très bien. Et qu'on est musika, bazali musika, namikili, tout ça, bakomona. Donc, c'est très bien. En tout cas, nous avons pris une résolution de relever notre paroisse. Nous avons pris la résolution de relever la paroisse. Merci. Et donc, pour cela, je déclare ouverte l'année pastorale 2024-2025. Je vous remercie. Tout est mis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Le Dieu puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête. Oh, God, I'm not.